L'exercice Pégase, organisé les 20 et 21 novembre 2012 à Tihange, avait pour but de tester les réactions des autorités, des services d'intervention et des exploitants de la centrale lors d'une simulation d'accident nucléaire. Dans un exercice, l'ensemble des de mes collègues, chacun avec leurs compétences du point de vue technique, du point de vue radiologique, du point de vue médical, du point de vue mesure, sont susceptibles de prêter leur concours à la gestion d'une crise. Ce type d'exercice a lieu tous les 3 ans et a également pour but d'améliorer la gestion de la crise et la communication vers les habitants. L'exercice a été minutieusement préparé par une équipe d'experts de différentes organisations, dont l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et sa filiale Belvé. Toutes les autorités et les Crabel sont impliquées et travaillent en étroite collaboration pour arriver dans les meilleurs délais à une neutralisation, je vais dire, de la situation. Les conclusions de 2013 ont démontré qu'il était toujours important de s'exercer régulièrement afin de se familiariser avec les procédures existantes. Informer rapidement et en continu le public de la situation et des actions de protection est un élément crucial dans la gestion d'une crise. On doit également sauvegarder toute la chaîne alimentaire. Aussi bien la police que les autorités locales et les journalistes se sont mobilisés tout au long de la journée. Plus de 100 étudiants de l'IEX leur ont prêté main forte.